pendant son rêve peut ruiner toute notre opération. Soyez précautionneux, soyez sûr que cette opération fonctionne toujours. Enfin, voilà. Hop, et le cabinet access. Voilà. Donc ça, je l'avais pris en photo sur mon téléphone pour être sûr de ne pas me planter. Mais voilà. Donc, et là, on a accès. J'ai un doute. Je sais que le dernier. Ah bon, c'est bon. J'ai pas eu besoin de rouvrir l'écran. Hop. Hop. On va commencer par ça parce que c'est le plus simple. Alors, le carré, il va là. Le moins, il va là. Le plus, il va là. Le carré et le rond. Ok. Ensuite, ça. Je me souviens plus. Tout bêtement. C'était ça. Et là, révélation, ça va être nos souvenirs. Donc le directeur. Le hall nest est là. C'est le drame. C'est pas moi. Monsieur Hill, vous avez dépassé la ligne. Nous n'avons pas le choix. Je vais vous sédater. Comptez jusqu'à 3. Alors là, j'ai voulu troller un petit peu en faisant 7, 6, 5. Voilà, ça marche pas. J'ai fait la petite blague d'informaticien. 0, 1, 2. Voilà, parce que les informaticiens ont commencé à compter à 0 à cause des arrays en développement. Voilà. Voilà. Youhou! La femme du lac. There I was, or at least what was left of me. I ordered another drink. Hop. The barman was a strange fellow. Any money left? I took my wallet. 7, please. I don't have any change. There you go, sir. Bloody Mary. I took a sip. He looked at me. What do you have on your mind? I took the photo out and unfolded it. Women can't live with them, can't live without them. Les femmes, on peut pas vivre avec, on peut pas vivre sans. I have a solution, but it will cost you something. That would be 18. 18. Donc 1, 5, 17 et 18. You know what to do, Mr. Hill. Ambiance! Ambiance! Vas-y, tire-toi une balle!
I hesitated. Suddenly, the curtains opened. She started singing as loud as she could. Alors, ça, c'est l'enfer. Si je me souviens bien, c'est cet endroit-là. Il y a un endroit. Yes! Ambiance! Le suicide! Tout ce qui manquait à ce jeu. Vous avez dépassé la ligne. Appréciez votre nouvelle chambre. Ne perdez pas l'esprit. Oui, le truc là, c'est yours parce que c'est marqué sur la porte. Non, UR. Voilà. Alors, il y a un ordre aussi à ça. Non. Et ça. Le nouveau, c'est Dark. Et il y a un symbole. Alors, ouais, ici, lui, il va aller à gauche, voilà. Voilà, face, il y a un autre symbole. Faut que je retienne, hein. Ça c'est off, off, ok. Alors. Ah putain, je l'avais. Ah, allez. Voilà. Ok. Là, il est très très perché comme jeu, hein. Je vous annonce, hein. Enfin, je vous avais prévenu, hein. Il est très très perché. Saoul. Et donc c'est cette... ce symbole-là. La face, c'est ça. F
fais face à ton esprit sombre. Ouais, je suis dessus là, voilà. Hop, allez, go se pioter. The Lost Soul. The bullet went straight through my head. But then I saw all my memories drifting by. The bouncer looked at me. His eyes widened. Who are you? I don't remember. Very good. Come in. The doors opened. It was hard to find familiar faces. Quelle ambiance, hein? I looked at the DJ. He took the record. He put the needle on. And it spit. A guy walked up to me. Hey man, enjoying the night? What do you have on your face? I can almost look through you. What did he mean? I touched my face. I moved my finger to the hole. What did I do? I felt again. And again. Ambiance. I lost it all. I was losing my mind. My soul was changing. But suddenly, a glimpse of recognition. Alors là, ça devient très psychédélique, hein. Je vous annonce. She opened her head, turned upside down. Everything was changing. The moths flew into her eyes. I wish we could go back to where it all started. And she went up in the air, leaving me again. Non, ok, d'accord, j'ai cliqué sur le fait exprès.
Voilà, hein, donc là c'est la bonne grosse dep, hein, la bonne grosse dep. Allez, let's go. S'il vous plaît, veuillez garder vos distances, monsieur. Vous n'avez pas l'air bien aujourd'hui. Complétez cette séquence. D'accord, par contre, ça se mélange au fur et à mesure. Enfin, ça se mélange à chaque partie. Donc, c'est celui-là et celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Celui-là. Ok, ensuite c'est. Tac, tac, tac. Donc à gauche c'est celui-là. Et non, pas ça, ça. Donc là, c'est ça et ça. Et un de plus, du coup, c'est ça et ça. Et un dernier, c'est celui-là, celui-là. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, je sais pas ce que donne l'œuf, mais je sais ce que donne la viande. Et je trouve ça assez glauque, donc on va rester dans l'ambiance glauque. Et c'est l'heure du memory test. Qui va être bien glauque aussi. Alors, faut se rendre ici. Ok. Ensuite, ils disent la boîte. Donc. Pas compliqué, faut faire jouer le bâton de gauche pour faire avancer le personnage. On clique dessus, ça coule. Hop, super. Suivant. C'est là. Ok. Clique dessus, il apparaît. 1, 2, 3, 4, 5. Ambiance. Donc la pièce, il est marqué Past is never dead. Le passé n'est jamais mort. Voilà. Ambiance. Et ça, c'est pas mal aussi. Allez, la petite pilule. On se découpe, on se bouffe. À la récré, elle est chiante. À la récré, enfin, si on peut appeler ça une récré. Ouais, c'est ça, il est là. Alors, du coup, là-dessus, 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 les toilettes, la table. Ok. Donc on vient de jouer une journée. Tout va bien. Ambiance quoi.
I woke up in the street. I was looking at the sky. Clouds were drifting by. A shadow came over me. An old woman was standing next to me. She poked me with her stick. You should call someone. I grabbed it. Slowly, I got up. There was only one place I could call. I walked to a phone booth. I put the coin in. I looked at the card and took the receiver. I dialed the number. Et ça j'adore parce que si vous êtes jeune, vous avez peut-être pas connu ça. Les cadrans comme ça, et encore moins dans les cabines téléphoniques, parce qu'en France, les cabines téléphoniques, c'est terminé, il n'y en a plus. Mais moi, j'ai connu l'époque des cabines téléphoniques et des cabines téléphoniques avec des cadrans comme ça. Ça devenait vraiment rare déjà, hein, avec rien qu'à mon âge, j'ai 30 ans, hein, enfin, je vais avoir 31 ans. Et ça se faisait déjà rare, les cabines téléphoniques avec des cercles comme ça. C'était plutôt des cadrans à 9 chiffres. Hello, Mr. Hill. We are expecting you. Please, wait for the car. I put the phone down. A car arrived. I opened the door. The driver turned the mirror. For a moment, he looked at me. We drove to a large building with a white sign. I looked up the white door. There was a man standing at the top of the stairs. Mr. Hill, follow me. Please, sit down. Welcome to our institute. You have made the right choice. We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life. All you need to do is sign this paper. Please, sign here. Abst. Ah non, non, donc ok, donc je peux vraiment pas me déplacer. Allez, un D. On va faire un J. On va essayer de le faire bien. Voilà. Thank you. Mais. Allez! Voilà. Ça ressemble à rien, c'est pas grave. Thank you, Mr. Hill. Let's start with the first test. I will show you some items you might recognize. Move them to the right. One, a donut. Two, a box. Three, a plant. Four, a photo. Five, a speaker box. Six, a coin. Seven, a bird. Thank you. Now follow me. Please, meet Sarah. She is at the end of the hallway. The lights went on, one by one. Hi, Bob. Good to see you again. You almost remember it all now. Open the door and bring color to... Okay. Alors, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est vert. Hop. Bien, première étape, c'est fait. Ensuite, il y avait un truc là, je crois. Ah oui, il y a ça, mais il y a moyen de troll.
Hop, ça c'est simple. Il y a ça. Ça c'est simple. Je fais ce qu'il y a de plus simple hein, d'abord. Voilà, ok. Ensuite, je crois qu'il y a ça qui est pas forcément évident. Ouais, ça c'est chiant. Ça c'est un des trucs les plus chiants. Donc, dans la boîte, il n'y a rien, je crois. Dans la boîte, il n'y a rien. Voilà, ok. Bon, bah, on va faire le dessin d'abord. Ah non, attendez, je crois qu'il y a ça d'abord. Ça c'est relativement simple, je crois. Ouais, voilà. En fait, je visais cliquer dessus. Ok, donc il nous reste juste le dessin. Alors, vu qu'on peut un petit peu troller, je vais pas me gêner. C'est que je vais faire un truc dégueulasse. Mais volontairement. Parce qu'en fait, le jeu a une certaine tolérance au dessin. Évidemment, hein, bah, de toute façon... Sinon, ça serait beaucoup trop rageant. Mais on va faire vraiment un truc vraiment à l'arrache. Et encore, ça va. Je trouve que ça va. Il est dégueulasse, mais j'aime bien. Alors, j'aime bien, mais vous allez savoir pourquoi. Pourquoi j'aime bien le fait qu'il soit dégueulasse. Parce que je peux pas encore. Je peux pas le modifier. J'aurais bien aimé troll un petit peu. C'est pas grave. Allez, le dernier truc, le truc le plus chiant. Oh, vous dites, oh, ça va, suffit de filer les lignes. Ouais, attendez. Voilà, ok. Voilà, deuxième étape. Déjà un peu plus dur. Du coup, hop. Faut partir comme ça. Ok, il a pu se rentrer. Et ce qui est chiant, c'est de tout contrôler la souris. Franchement, ce serait tellement mieux de pouvoir contrôler vraiment avec les vraies touches du clavier. J'ai merdé. Là, je suis bon. Ok. Alors, celui-là. Que je dise pas de bêtises, faut que je parte en haut. C'est ça. Là, je pars à droite. Là, je fais la ligne. Et en fait, il me suffit de suivre la ligne qui reste. Ok. Et ça, c'est le dernier. Un des plus chiants. Bah, ça va aller. Il suffit de faire ça, ça. Ça, comme ça. Deux. C'est bon. En vrai, j'avais un peu galéré à le faire, je vous avouerai. Ok. Et pour finir... Allez, mon con, lève-toi. Bon. Allez, non, faut regarder par la fenêtre. Je me souviens. Take my place.
Non, faut retourner se coucher. I was walking in the park. A woman sat on a bench. For a moment, I stopped to look at her. A bird flew away. She was drawing something. She put down her pencil. I asked her, "What are you drawing?" She looked down. "It's a robin," she said. Voilà pourquoi j'avais envie de troll. Parce qu'elle est en train de dessiner le... C'est exactement le même que ce qu'on a dessiné. I'm sorry, it's gone now. She stared at me. No, it's not. It's all in your head. She closed her eyes. Et voilà. Vous avez donc la fin du jeu, voilà. Alors, dommage, ça dure un peu plus d'une heure. Bon, on va en parler un petit peu comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, vous l'aurez en deux épisodes. C'est pas très grave. Voilà, hein, comme j'ai dit, alors, le pire, c'est que... Voilà, c'est parce que j'ai acheté le bundle, un hein, résultat hier à 15€ de Rusty Lake. Hein. Donc, le prochain sur la liste, évidemment, c'est The Cube. Et on fera les trois... Enfin, donc, il y a les deux The Cube. Les deux chapitres de The Cube. Et il y aura les trois chapitres de Rusty Lake à faire. Mais The... The White Door, c'est vraiment l'épisode de la dep, quoi. Vraiment l'épisode de la dépression. Donc voilà, bon. Voilà, j'ai pas trouvé les autres achievements. Mais voilà, il y a d'autres achievements à trouver. Et sur ce, ben je... Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve pour The Cube, que je vais tourner... j'essaie de le tourner là, dans la foulée. J'ai 2 heures pour essayer de le tourner, ça va être chaud, mais je vais le faire. Et sur ce, bah, je vous dis à l'épisode suivant, qui sera donc The Cube, sachant qu'il y aura peut-être un épisode de Bleach Brothers entre deux. Voilà. Pas de speedrun pour ce jeu, d'ailleurs, c'est plus ou moins un speedrun que j'ai fait, et ça a duré un peu plus d'une heure. Donc, ce jeu ne se prête pas du tout au speedrun. Voilà, il est fait pour être chill, il est fait pour normalement qu'on se plonge vraiment dans l'ambiance et tout. J'avoue avoir un peu flingué cet aspect-là du jeu, mais franchement, c'est pas mon délire. Pour le coup, je suis vraiment pas dans ce mood, voilà. Mais si vous... Ouais, le truc, c'est que je sais pas à qui s'adresse ce jeu, franchement. Parce que si vous êtes quelqu'un qui va pas bien, ça va pas vous aider. Clairement pas. Et si vous êtes pas dans un mood de dépression, vous en avez un peu rien à carrer. Je vois pas à qui s'adresse ce jeu, en fait. Ça aide pas forcément à se sentir mieux, j'en sais rien. Enfin, si... Je pense pas que quelqu'un en dépression se sente mieux en jouant à ça, quoi. Clairement pas. Donc, voilà. Donc, pas fan de ce chapitre, de ce jeu Rusty Lake. Mais comme j'ai dit qu'on allait tous les faire, et ben, voilà. Il fait partie des incontournables du Rusty Lake, apparemment. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vous dis à l'épisode suivant pour The Cube. Et ça coupe le jeu.